C'est sur le même principe que l'année dernière, avec un focus membre supérieur, un focus membre inférieur, un focus rachis, avec deux live surgeries pour pouvoir amener tous nos correspondants au bloc opératoire en temps réel pour voir un petit peu les qualités chirurgicales, voir un petit peu les petits couacs, tout ce qui se passe dans la vraie vie, en toute transparence, sans filet, comme on dit. Par rapport à ce qui change à l'année dernière, si on essayait d'ouvrir nos interventions à nos partenaires directs de la clinique, c'est-à-dire que bien montré, l'année dernière, on avait chacun exposé nos activités de manière séparée. Maintenant, on voulait montrer la chaîne du travail d'équipe dans le cadre d'une intervention chirurgicale. Donc, on a fait un programme peut-être un peu plus varié avec autre chose que des interventions purement chirurgicales, toujours dans un but assez interactif. Alors, on est content du succès. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de monde que l'année dernière. Donc, une évolution croissante qu'on espère aussi positive pour l'année prochaine. On a pu faire venir des sportifs de haut niveau, donc notamment par l'intermédiaire de Jacques Tessier qui a fait venir donc, un champion de VTT, une championne de VTT et un champion de motocross. Donner envie à nos correspondants de continuer à travailler de cette façon-là et encore avec plus de communication et de partage pour pouvoir, encore une fois, servir nos patients et obtenir des résultats de qualité. Là, c'est un congrès qui reste centré sur la chirurgie orthopédique spécialisée. On a parlé de gonarthrose ce matin, de chirurgie du rachis, de tout ça. Toujours nos basiques, une qualité dans les interventions avec les présentations PowerPoint. Des invités de marque, ça c'est une nouveauté, qui est une excellente idée, les plateaux télé, qui permettent vraiment d'échanger et d'accélérer les échanges avec nos correspondants. On est souvent l'initiateur du soin, ensuite sans kinésithérapeute, sans podologue pour notre confrère qui fait du pied, sans médecin du sport ou médecin physique, le soin n'aboutit pas. Donc c'est fondamental que ce travail d'équipe, on le mette en évidence, parce que c'est la fameuse chaîne de compétences qui va du diagnostic à la prise en charge chirurgicale, à la prise en charge kinésithérapeute et même au retour sur le terrain avec les préparateurs physiques qui pourraient d'ailleurs participer à une prochaine édition, parce que ce fameux return to play dont on entend beaucoup parler, ce sont les principaux artisans de ça et il faudra probablement les intégrer lors d'une prochaine édition pour compléter la chaîne de compétences et aller au bout du retour sur le terrain de nos sportifs qui est une de nos thématiques aussi d'aujourd'hui au sein du travail d'équipe et au sein de ce que nous faisons au quotidien sur les sportifs à la fois de loisirs bien sûr et certains sportifs professionnels et de haut niveau. Oui, moi qui j'ai quand même pas mal d'années derrière moi, c'est rare que je vienne et que j'apprenne beaucoup de choses comme ça. Ah ouais, c'était très très bien. On se fixait à peu près la même réunion tous les ans au mois de janvier, a priori le troisième samedi de janvier. Donc nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux sujets, de nouveaux échanges toujours aussi enrichissants.